I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. I'm feverly. Help me, doctor, heal my pain. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandra Madio, éducatrice sportive de Génération Fitness. Et donc nous allons aujourd'hui vous proposer notre traditionnelle vidéo vous proposant d'apprendre la chorégraphie du flash mob pour le Téléthon. Donc si vous ne nous connaissez pas, Génération Fitness est une école de danse et de fitness, il y a aussi une salle de musculation. Et donc je donne des cours sur 4 communes, Saint-Souliac, Saint-Jouan-des-Guérets, La Richardet et Cherouet. Et donc on existe depuis 2002. Et donc depuis 2013, nous avons le projet Téléthon. Donc le projet Téléthon avec Génération Fitness, c'est quoi? C'est à partir du mois de novembre, tous les élèves de mes cours chorégraphiés, donc les cours de danse petit, danse enfant, danse adolescent, danse adulte, le step, l'aérobic, mais aussi souvent mes cours de gym ou renforcement musculaire avec les seniors le matin, tous les élèves de ces cours-là apprennent une petite chorégraphie toute simple, qui est une chorégraphie qui nous permettra de faire un flash mob pour le Téléthon. Donc en fait, je vais demander à chaque fois sur le week-end du Téléthon, qui est cette année le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. Hein, le Téléthon, c'est le vendredi et le samedi, mais nous, évidemment, comme on touche les enfants, les ados, on travaille le Téléthon sur le samedi et le dimanche. Donc ce sera le samedi 30 novembre, le dimanche 1er décembre. On propose aux jeunes de venir nous rejoindre sur des points donnés. Et à chaque fois, on fait des chorégraphies, démonstrations avec la troupe de danse. Et on fait un temps flash mob avec tous les élèves qui souhaitent y participer et qui peuvent avoir invité de la famille, des amis à venir se joindre à eux. Et donc il y a cette petite urne qui est présente et les enfants et les spectateurs peuvent mettre un petit sou dans l'urne au profit du Téléthon. Je rappelle que notre action, elle est super parce que du coup, tout ce que vous mettez dans l'urne, c'est entièrement reversé pour le Téléthon. Voilà, donc aujourd'hui je suis accompagnée de 4 jeunes qui vont représenter chacun et chacune leur commune. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Cyril et cette année je représente la commune de Saint-Souliac. On se retrouve le samedi 30 novembre à 15h sur le fond de Rance à côté du club de voile à Saint-Souliac. Venez nombreux et participez au Téléthon. Bonjour, je m'appelle Noline et je représente la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Je vous donne rendez-vous le samedi 30 novembre à 18h à Décathlon, à Saint-Malo, Saint-Jouan-des-Guérets. Bonjour, je m'appelle Pauline et je représente la commune de La Richardet. Je vous donne rendez-vous le dimanche 1er décembre à 11h sur le parvis de l'église à La Richardet. Venez nombreux. Bonjour, je m'appelle Lara et je représente la commune de Cherouet. Je vous invite à nous rejoindre le dimanche 1er décembre à 15h sur le parking de la salle du temps libre à l'occasion du marché de Noël. Venez nombreux. Donc nous allons commencer l'apprentissage de la chorégraphie du flash mob. J'ai 2 choses à préciser. La première, c'est que je n'ai pas précisé dans mon message d'introduction que les centres de loisirs ont aussi appris la chorégraphie dans les communes où j'interviens et certaines écoles. Donc pourront se joindre à nous pour les flash mobs, les jeunes des centres de loisirs ou les enfants des écoles qui auront appris la chorégraphie et qui auront envie de participer au Téléthon. Alors, la chorégraphie, elle est sur une musique de Vianney et Mika, Keep It Simple. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'an dernier, le parrain du Téléthon, c'était Vianney. Et cette année, le parrain du Téléthon, c'est Mika. Je vais vous apprendre, il y a 4 parties, je vais vous apprendre pour démarrer l'intro, puis la première partie. Alors, l'intro, c'est pieds serrés. Voilà. On claque des doigts. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, d'accord? Et l'intro, on ne peut pas se tromper, elle fait 4 fois 8 ans. D'accord? Donc si on fait 4 fois 8 ans en claquant des doigts, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, deuxième phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, troisième phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la dernière phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et stop. Et on commence la partie numéro 1. Alors, partie numéro 1, on part de nos pieds serrés, on va ouvrir à droite, 7 et ouvre à droite, tu resserres, ouvre à gauche, tu resserres. Et c'est tout, 5, 6, 7 à droite, ouvre à droite, tu resserres, ouvre à gauche, tu resserres. Et là, on va faire doucement, ouvre, croise derrière, ouvre, serre, c'est un grapevine, 7, 8. Et je vais mettre les deux bras derrière la tête. Ouvre, croise derrière, ouvre, serre. Ok? Et après, il faut repartir à gauche. Ouvre à gauche, ouvre à droite et le grapevine. 7, 8. Ouvre à gauche,
serre. Et ouvre à droite, serre. Et hop, je croise et je resserre. Donc ça, c'est la partie numéro 1. On ne peut pas faire plus facile. 5, 6, 7, on refait. 1 et 2. Et hop, élan. Et ouvert, croisé, serrez vos pieds. Je repars. 1 et hop. Et 2 et hop. Et ouvre et croise et ouvre et serre. Ça roule ? On fait tout ça en musique depuis le début, d'accord ? On va d'abord faire que les pieds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son éponie, 5, 6, 7, à droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, d'accord? En même temps, on fait ça, on va, je vais à droite, je lève le bras droit, je vais à gauche, je lève le bras gauche, je vais à droite, je lève le bras droit, je vais à gauche, je lève le bras gauche, si on fait les deux ensemble, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ok ? 5, 6, 7, on refait ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, je marche. Comme je vais vers la droite, je pars avec mon pied droit. Et je fais le Madison. Vous savez, comme quand on danse le Madison dans les fêtes de famille. 7, 8, pied droit, pied gauche, pied droit, coup de pied gauche. Et je tourne sur ma gauche et je resserre mes deux pieds. Je me mets avec vous, on fait tout ça. Marche à droite, 7, 8, je marche, je marche, je marche, un coup de pied, je tourne sur ma gauche et je resserre mes deux pieds. Si je fais avec le mouvement d'avant le poignet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec le bras qui va à droite quand je pars à droite et à gauche quand je pars à gauche, 5, 6, 7, allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, marche, 1, 2, 3, tournez, 5, 6, 7, stop. D'accord ? Même chose à gauche, on fait que les pieds d'abord. 5, 6, 7, les pieds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Comme je démarre à gauche, je démarre le bras gauche, le bras droit, le bras gauche et le bras droit. Alors on y va. Pieds serrés. 5, 6, 7, les bras, les jambes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Cette fois-ci, le Madison, je le pars à gauche. Donc je démarre avec le pied. Gauche, 5, 6, 7, pied gauche. 1, 2, 3, coup de pied. Je tourne sur ma droite et je serre mes deux pieds. Je me mets dans le même sens que vous, je pars le Madison. 5, 6, 7, pied gauche. Et 1, 2, 3, le kick. Je tourne sur ma droite et je serre. Ça roule ? On refait ça ? Avec les ponies. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je pars ici. Et 1, 2, 3. Et je tourne à droite. 5, 6, 7. Et stop. Maintenant, fais les deux. À droite et à gauche. Et ça, c'est donc la partie numéro 2. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Voilà. Vous comptez 3 pas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et 1, 2, 3. Et tourne. 5. Alors, si vous comptez avec les temps, c'est 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et marche. Et 1, 2, 3. Hop. Tourne, tourne, tourne et serre. Alors, le but du jeu maintenant, c'est, on va le faire, on va reprendre l'intro. Après l'intro, on reprend la partie 1. On y va ensemble. 5, 6, 7, à droite. À droite, je serre. À gauche, je serre. J'ouvre et je croise et je serre mes deux pieds et je repars. Et à gauche, reviens. À droite, reviens. Et je croise. Hop, et maintenant, partie numéro 2. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 le Madison. Et 1, 2, 3 le kick, je tourne sur ma gauche et je repars. 1 et 2, je tourne sur ma droite cette fois-ci et vers l'avant. Je vais vers l'avant pour tourner. Hop, hop, hop et serre. On essaye tout ça en musique.
Allez, attention, partie 1 à droite. 5, 6, 5, 6, 7. Et à droite, à la taille. À gauche, je croise doucement derrière. 3, et je repars à gauche. Et 1, à la taille. Et 2, je croise. Et et croise, attention, la partie 2, je saute. 1, 2, 3. Et tchac, 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 Madison. Je tourne bien la main et sur ma gauche. Et à gauche. Tchac, 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 tchac. Et pied gauche. Je tourne sur ma droite et vers l'avant. Restez. Alors, on va maintenant filmer la partie numéro 3. Partie numéro 3, il faut savoir compter jusqu'à 3. On part à droite et on balance les bras en l'air. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et stop. C'est sur Docteur. Et donc là, stop, on fait Beyoncé comme ça. Après, on part à gauche. 1, 2, 3 et bassin, bassin. On fait Shakira. On commence à droite puis à gauche. Ensuite, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, on refait ça. Il faut avoir les bras bien en l'air, pieds serrés. Bras bien en l'air, on écarte ses doigts. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, keep it simple. 1, 2, 3 et 4. Après, il y a un truc un petit poil plus dur, mais si vous faites de l'aérobic ou de la danse fitness avec moi, vous allez connaître. On va faire un chassé avec un pied derrière. 7, 8, chassé à droite, je mets le pied gauche derrière et je lève légèrement le pied droit. Chassé à gauche, je mets le pied droit derrière et je lève légèrement le pied gauche. C'est chassé mambo arrière. On y va, pied serré. 5, 6, 7 et chassé. Gauche, élève le droit. Chassé, droit derrière, élève le gauche. Encore, 5, 6, 7 et chassé. Pied gauche derrière, je lève le droit. Chassé. Pied droit derrière, je lève le gauche. Bras tendu à la taille. Et bras tendu à la taille. Ok? On refait ça. 5, 6, 7. Et chassé. Et tchik et tchac. Chassé. Et tchik et tchac. Ok? Si on fait tout l'enchaînement, pied serré. 5, 6, pied serré. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, docteur. 1, 2, 3, keep it simple. 1, 2, 3, 4, je chasse, chasse, derrière et chasse, derrière. Ok? À partir de là, on a le pied derrière. On avance avec notre pied droit. Que les pieds. 7, 8, pied droit, pied gauche, pied droit, fesse à gauche, fesse à droite. On recule pied gauche, pied gauche. Pied droit, pied gauche, serré. On se remet comme ça. Pied gauche devant, pied droit derrière. 5, 6, 7 et pied droit, pied gauche, pied droit, à gauche, à droite. Pied gauche, pied droit, pied gauche, serré. En même temps qu'on fait ça, un petit soleil avec ses bras, main sur la taille. Un petit soleil avec ses bras, bras le long du corps. On essaye 7, 8. Un soleil sur la taille. Un soleil le long du corps. Si je mets mon pied droit derrière, mon pied gauche devant, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, keep it simple, 1, 2, 3 et 4, ok? Si on fait tout l'enchaînement, je suis de dos avec vous. 5, 6, 7, 3 fois et 1 et 2 et 3, docteur, 1 et 2 et 3, keep it simple, 1. Et 2, et 3, et 4, et chasse, derrière, et chasse, j'avance pied droit, et 1, et 2, et 3, keep it simple, 1, et 2, et 3, et serre, ok? Et bien on va essayer avec la musique. Attention, introduction, partie 1, partie 2, partie 3, et on repart, partie 1, partie 2, partie 3, ok? Intro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord ? Intro. Allez, c'est parti, partie 1, attention.
tu serres les pieds, tu pars à gauche, et à gauche, tu serres à droite, tu croises derrière, allez, croisez, attention, ça part les bonnes, 1 et 2, 4 fois à droite, et 1 et 2, 3 et 4, 5 le Madison, pied droit, tu tournes sur ta gauche, à gauche, et, attendu, et pied gauche, tu tournes sur ta droite, et à droite, et 3 fois, attention. Chasse, vous restez, vous avancez, avancez, pied droit, pied droit. 1, 2, 3, les fesses, pam, pam. 1, 2, 3, serrez, début. Et 1, serre, 2, chute dans votre sens. Et hop, hop, je serre les deux pieds. Et gauche, tu serres, loin, tu serres. Et hop, attention, partie numéro 2. Partie numéro 2. Les pieds en les ouvrant et en les resserrant. Si je fais que les pieds, 7, 8, à droite, à gauche, à droite, à gauche, encore pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, encore pied droit, pied gauche, pied droit. Voilà, on a le droit de danser, hein. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et les mains, si je fais que les mains, 7, en haut, en bas, et à droite, à gauche, à droite, à gauche, d'accord ? À droite, voilà, on continue. Hein. Voilà. Si je fais les deux en même temps, sans tourner pour l'instant, 7, 8, à droite, à gauche, en bas, et à droite, à gauche, en bas, et pied droit, pied gauche, en bas, et pied droit, pied gauche, et restez. Ok ? Ça, on va le faire en tournant. Donc, on va faire les premiers quatre temps face. Les deuxièmes quatre temps sur notre droite. Les troisièmes quatre temps vers vous, de dos. Et les derniers quatre temps ici. Donc en fait, à chaque fois, on le fait en tournant. 5, 6, bon, à chaque fois, on tourne un quart de tour sur notre droite. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais à droite. 1, 2, 3, 4, et bien c'est trop facile. Et là, on repartira partie numéro 3. Ok ? On refait ça et on enchaîne avec la partie numéro 3. Et il faut savoir que la partie numéro 3, cette partie finale-là, tchic-tchac, il faudra la faire deux fois pour faire le final. Alors, on essaye l'enchaînement de cette partie 4 et la partie 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, je tourne à droite. 1, 5, je tourne à droite. 1, 3, 4, 5, 6, je tourne à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 fois. 1, 2, 3, hop, docteur, hop, 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 keep it simple. 1, 2, 3 et 4 et chasse derrière et chasse derrière et 1, 2, 3, pam, pam, 1. 2, 3, et je resserre, et 1, 2, 3, pam, pam, 1, 2, 3, et je resserre, et pause. Évidemment, on tient la pause avec le sourire pour la photo. Quand vous serez tous réunis pour le flash mob, on pourra tenir la pause finale pour la photo, d'accord? Et là, on va essayer tout ça du début en musique, et donc là, la vidéo n'est pas trop longue, donc ce soit pas trop compliqué de la charger sur vos tablettes ou vos téléphones et de pouvoir la faire via YouTube ou via les réseaux sociaux. Par contre, vous n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou à vous faites marche arrière pour revoir les parties quand il y a besoin.
De toute façon, on va l'apprendre en cours avec mes élèves. Je ne l'ai pas précisé au début, mais on va aussi l'apprendre avec les jeunes en situation de handicap avec lesquels je travaille au Mascaret à Cherouet et avec l'association Demain J'ai 20 ans à Saint-Jean-des-Guérets. Et puis voilà. Et puis tous ceux qui ont envie de se joindre à nous, bah, partagez cette vidéo et puis venez danser. Attention, tu croises. Et ouvert, croisé, ouvert, serrez vos pieds. Parce que donc on fait ça chaque année depuis 2013 et donc en 2013 la vidéo, je suis très très costaud parce que je suis enceinte de Jean-Cyril. Donc c'est fou de se dire que la première vidéo, j'ai mon gros ventre et puis qu'aujourd'hui c'est lui qui est en train de filmer avec moi. Voilà, donc venez nombreux pour le Téléthon, n'oubliez pas de participer à cette cause et puis le 36-37, moi je vais le dire dans mes cours mais je conseille toujours aux familles de regarder l'émission du Téléthon. Parce que parfois, les enfants, ils ont l'impression qu'ils viennent mettre 3 euros ou 5 euros dans l'urne du Téléthon pour la danse avec Alexandra. Mais non, ils viennent mettre 3 euros ou 5 euros pour le Téléthon. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait notre animation le week-end du Téléthon. Le week-end où ça passe à la télé pour justement les enfants puissent regarder l'émission pendant tout le week-end et se rendre compte à quoi servent les sous qu'ils ont donnés. On va aussi faire la collecte de piles. Donc, vous pouvez d'ores et déjà gardez vos piles usagées et puis je vais mettre les bacs dans le placard à step à Cherouet, dans le placard à step à Saint-Jean et puis vous pourrez mettre vos piles dedans. Donc on fait les piles jusqu'à mi-janvier je crois, je ne sais plus la date exacte, mais on récupère les piles comme chaque année. Remerciements à la ville de la Richardet qui nous a permis de filmer à la Richardet aujourd'hui. Merci à JC qui est derrière la caméra et merci à Adriana qui a fait le DJ.
Petit rappel, pensez au dress code. Donc, nous avons adopté depuis l'an dernier le dress code aux couleurs du Téléthon. Donc, c'est un bas noir, des baskets noires, un bas noir et un haut jaune. Donc, pour les élèves qui ont un sweat jaune Génération Fitness, on en a fait exprès pour les porter pour le Téléthon. Faut penser à le mettre ce jour-là. Pour les autres, vous me trouvez un haut jaune ou une veste jaune à porter pour le flash mob du Téléthon. Keep it simple, baby. Ooh la la, my team made too much.